C'est Darkfire et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Alors. Voilà. Donc. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un deck. Le premier deck pour l'arène 3. Le deuxième pour l'arène 4. Et le troisième pour l'arène 5. Donc on va commencer. Attendez 2 minutes, je donne des troupes. N'hésitez pas à rejoindre mon clan. Il s'appelle Toothlanger, vous le voyez. Je pense que tout le monde peut rejoindre. Maintenant. Donc. Bon, attends, petit. Voilà. Donc, c'est parti. J'attaque en camp militaire parce que j'ai pas trop envie de perdre de trophées. Donc. Je vous conseille fortement ce deck parce que il fait des dégâts. Surtout comme l'armée de squelettes, les gobelins, tout ça quoi. Regardez sa tour. Regardez bien. Ah non, il m'a détruit mon armée de squelettes. Donc on va poser le bébé dragon ici. Je vais quand même lui faire un peu mal à la tour. J'ai mes flèches. Il va me faire un 0, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc. Regardez là-bas le bébé dragon et le géant qui ont fait des dégâts. Je vais mettre une armée de squelettes juste là. Là. Sa tour qui a quand même baissé. Donc là, on va poser des petits archers juste là. Là, on va poser Valkyrie ici. Comme ça, tout le monde va venir. Et voilà. 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 Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser un chevalier. L'armée de squelettes juste ici. Ah bah c'est bien comme ça, le bébé dragon me l'a détruit mais je lui fais une tour. Voilà. Donc ça fait déjà 2-0. 2-1 je veux dire. Donc les petits gobelins lancent juste là. On va mettre... on va attendre pour le géant, tiens. Voilà. Les petits archers pour défendre un peu. Ça, et regardez, je pense que cette première attaque va se terminer là-dessus. Et voilà. Donc, moi je vous le conseille, hein, comme je vous l'ai dit. L'armée de squelettes, que ce soit l'armée de squelettes, les archers, les gobelins, toutes sortes de gobelins, ils font des dégâts. Sur les tours et même sur et même pour défendre les autres troupes. Alors celui-là c'est le deck pour l'arène 4. Alors on va prendre les gobelins lance. Ça et voilà. Il attaque cette tour donc je mets ma pierre tombale juste là. Voilà. Ah, venez. Voilà. Donc. Ça déjà. C'est bon, je lui ai fait un peu de dégâts quand même. Lui me fait un 0, mais c'est pas grave. Oh. Là, j'ai pris cher, on peut le dire. Je vais attendre pour le géant. Alors. Est-ce que je pose ma Valkyrie? Ouais, quand même. Là. Pierre tombale ici. Alors, faut vite que je fasse un 0 là. Alors. Le bébé dragon juste là. On va essayer de faire un 0. Je pense que
c'est fait, voilà. Les gobelins lancent. Et là maintenant, vu que les petits trucs, c'est pas beaucoup d'élixir, ça fait des dégâts. Regardez comme ils font mal à l'armée de squelettes. L'armée de squelettes, elle a pris cher. Même si elle reste, mais bon. Voilà quoi. Là, il a rajouté ce squelette. Je vais mettre une Valkyrie ici, voilà. Et là, je vais mettre le bébé dragon. Oh, il a détruit mes archers, c'est pas grave. Oh non, le bébé dragon qui... Attends, voilà, c'est bon. Oh là là. Là, les gars... Mettre là la Valkyrie, voilà. C'est bon. Faut pas qu'il me le fasse, c'est bon les gars. Alors, armée squelette, là je vais directement attaquer. Les flèches juste là. Pour pas que les gobelins lancent ils me détruisent tout. Voilà, allez. Non. On va poser là maintenant. Ah, il m'a dégommé les gobelins. Allez. La mort subite, allez. Gagne. Et voilà. Les gars, c'est terminé pour cette deuxième partie pour le deck pour la 4. Alors, la troisième, c'est mon deck que je joue en arène 5. Regardez, voilà, je suis en arène 5. C'est celui-là, mon deck. Oui. C'est reparti pour la dernière partie. Alors, on va poser. Attendez, parce que j'ai mon fuite à gobelin, donc je vais mettre ça. Et là, le rage qui va venir directement. Et là, c'est le rage. Voilà, donc là, sa tour qui va prendre cher. Voilà. C'est 1-0 en un rien de temps. Donc là, je défends pas mal. Voilà. Donc là, je posais un chevaucheur juste là. Là, j'ai gardé mes flèches. Il va peut-être me faire 1-0. Mais c'est pas grave. Ah non, c'est bon, il me le fait même pas en plus. Oh, 41 de vie. J'ai balancé un fuite à gobelin. Puis je pense que ça va se terminer là-dessus. Voilà les gars, donc la dernière partie est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire les vidéos que sur les thèmes de vidéos que je voudrais que vous voudriez que je fasse. Et n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un gros pouce bleu. Et moi je vous dis à tout à l'heure pour plus de vidéos. Ciao.